Salut à tous et bienvenue sur XboxLive.fr, c'est PlayGeekTheWise, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Outlast 2. Alors c'est pas vraiment une suite à Outlast parce qu'il y a des nouveaux persos, c'est une nouvelle histoire, rien à voir. Par contre les mécaniques sont les mêmes, c'est-à-dire que on va courir, pleurer, avoir peur et éviter de se faire tuer. Ça va être ça le principe du jeu, c'est-à-dire on n'a pas d'armes. Donc on est poursuivi par des mecs un peu chelous et il va falloir vivre et découvrir un peu ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc voilà, on va commencer. J'ai mis la cam pour que vous puissiez voir les réactions directes parce que je pense que ce genre de jeu, c'est toujours intéressant de voir comment le joueur réagit plus que sur d'autres jeux. Voilà, allez c'est parti, je lance. Malgré qu'on a le bouton continuer, je n'ai pas commencé l'aventure. Je connais les 30 premières secondes. C'est juste que j'ai testé un peu le volume du jeu. Donc voilà, allez c'est parti. On va commencer en normal parce que moi je vais pleurer. Donc ce qui est bien c'est que du coup, dès le début, on sait qu'il y a des scènes de violence intense, de carnage. Et qu'on va filmer. Voilà. Donc je remercie le studio pour dire amusez-vous bien. Parce que ils auraient dû mettre plutôt bon courage. Mais non. Allez, c'est parti, je me tais. On va laisser le début de l'aventure.
Allez, c'est parti. Oh, j'ai déjà la chair de poule avant de commencer. C'est ça qui est fort. Ok, on tourne comme ça. Et on avance. Alors. Ok. Sympa. Voilà, je suppose que je rêve, donc du coup, il va rien m'arriver. Salut, Jessica. Ouais. Ok. Déjà, graphiquement, ça n'a rien à voir avec la démo. Et surtout, au premier épisode de Outlast. Parce que techniquement, il est quand même... Ça déchire quand même la rétine. Les effets de lumière sont plutôt bons. En sachant que la majorité du jeu se déroule dans le noir. On verra ce que ça donne. Il aurait été intéressant de voir ce que ça donne en HDR aussi. Je vous rassure, je peux pas courir. J'ai pas encore compris comment ça marchait. Nous ne sommes pas seuls. Allez, tout commence là maintenant. Il n'y a pas photo. Il est quand même beau. Tu m'étonnes. Donc voilà, dans Outlast, on a une caméra. Et on s'en sert quasiment à 100% du temps. Enfin, 100%, non, peut-être pas quand même. Mais quasiment en permanence pour pouvoir se frayer un chemin dans le noir parce que bon, du coup on a une petite batterie. Trouver Lynn, il y a que ça qui compte. Oh, les enregistrements, tiens. Est-ce qu'on peut avancer? Non, on peut pas. Ça c'est bon. Et donc du coup on va se servir de la torche pour pouvoir avancer dans le noir et de la vision nocturne de la caméra. Je suppose qu'il faut que je descende comme ça. Voilà. Alors, j'ai toujours une impression d'un peu de hauteur qui était déjà présente dans le premier. Alors sauter, hop, ok, là, voilà, jusqu'à là tout va bien. C'est juste didacticiel, hein. Merde. J'ai réussi à mourir. Elle est quand même pas mal. Allez, on se la refait. Trouver Lynn, il n'y a que ça qui compte. Donc vous voyez, on a un afficheur de batterie. Donc ça veut dire que on va s'amuser aussi à trouver des batteries un peu partout dans, oh, merde, dans le jeu pour pouvoir alimenter cette caméra. Ah non, il n'y a pas de corps. Elle est pas ici. Lynn,
Lynn! Voilà, c'est ça, vision thermique. Enfin, vision nocturne. Vous voyez, la vision nocturne est plutôt assez réduite. Oh, oh, oh bordel! Merde, 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 merde! Non, c'est pas écrasé. C'est de la merde. Lynn. Est-ce qu'on peut zoomer? Oui, on peut zoomer. Alors, on peut voir les intestins. Voilà, ça c'est fait. Bon, ben, il n'y a plus 80 chemins, hein. Derrière vous, mais... ouais. Mais c'est ça, ça, c'est bien pratique quand on court. Hop, un petit regard derrière pour voir où est l'ennemi, enfin l'ennemi, le mec qui veut vous tuer. Ouais, ça va, on va pas gaspiller de la caméra. Une ville, Dieu merci, je pensais qu'on était à des kilomètres de tout. Allez, c'est parti. Hop là. Donc là on est plus dans le début de la démo. Y'a quelqu'un? Je suis perdu. Et blessé. Bon, c'est bloqué. Ok, allez. Banzai. Bon, je devrais pas trop me faire surprendre normalement. Vu que je... ça, s'il vous plaît. Je l'ai déjà fait 2-3 fois. Hop, salut, hop, 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 hop. Le petit vilo qui va bien. Hey! Salut Bernard! T'as un couteau dans la main? Oui, donc du coup, le jeu permet de... je vais enregistrer ça, on sait jamais. Le jeu permet de se cacher un peu partout, donc dans les tonneaux, par exemple. Voilà. On peut regarder furtivement. Voilà, ça c'est dit. Hop. On peut se cacher dans l'eau, dans les placards, un peu partout. Histoire de ne pas flipper. Voilà, ça c'est fait. D'accord, ok, d'accord. Ah oui, on peut fermer gentiment et ouvrir doucement comme ça pour éviter de mourir. Hop là, et voilà. Bref, allez, on ramasse. Parcourir le document, ok. Poser. Okay. Si je regarde la caméra, voir les enregistrements. Ok. Et ok. Bon. Lui, il a pas l'air commode. Ah oui, dépensement. Ça, c'est toujours bien pratique. Une casserole, je peux pas la prendre. Je peux pas me défendre. Ça, c'est good. Ah oui, on peut se cacher sous les lits aussi. C'est marrant parce que il y avait un succès dans Outlast 1. C'était, il fallait terminer le jeu sans. Sans se cacher sous les lits. Donc il fallait connaître extrêmement bien le jeu. Ok. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, tous les objets avec lesquels on peut interagir brillent dans le noir. Je fais malin comme ça, mais je flippe un peu. Hein. Oh putain! Je le savais pourtant. Entrez par la fenêtre, puis sur. Ok.
ça c'est bon. Déverrouiller la porte. Bon, l'idéal c'est de jouer à ce jeu-là la nuit, dans le noir complet. Putain, j'y cru voir une petite fille. Laisse tomber quoi. Pour essayer de flipper un maximum. Bien gore. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas tout à fait la même chose. Bref, on avance. Vision. Comment on fait déjà? Le stick droit, appuyez sur le stick. Qu'est-ce qui... Ah, ça c'est bien crade. Alors, vous allez entendre le bruit. Merde. Des... Quand on marche sur le corps. Et le cœur qui s'emballe là. Oh putain. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Bon, on continue d'avancer. Donc là, j'ai... Alors, par le couteau courbé, les gens ont gravé tout en machinerie. Et il est où le monsieur qui parle? Celui qui tend l'oreille sera conduit en captivité. Oh putain, c'est quoi ça? Merde, oh putain de sa mère! Ah oui, oh non, mais pas déjà! D'accord, ok, tac. Tout va bien. Ça fait quoi, 10 minutes que je joue? Je suis déjà mort deux fois. Ok, bon. Et sinon, je peux me cacher où? Parce que là, je vois pas trop comment je peux... C'est ici que sont nécessaires la persévérance, la foi du sang. La nuit immolée, fondation du monde. Ha ha ha!
Non, 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 fais pas ça, Seb. Cours, 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 mec. Elle est passée où? Elle est passée. Elle est passée où? Putain. Là, là, il y a de la lumière. Déverrouiller. Non, j'ai pas envie. Ramasser. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut baisser la fenêtre? Fermé, oui, c'est toujours plus prudent. Qu'est-ce qu'on a là? Des piles. Toujours tic. D'ailleurs, on en est où dans les piles? Parfait, ça c'est nickel. Il y a du sang partout, c'est normal. Je vais ouvrir la porte et je ne peux pas. Je tente de déverrouiller. Ok. Est-ce que je peux passer par deux? Putain, putain, c'est quoi ce bruit? Merde, oh, putain, putain, putain! Oh, chier. Ah, mince. La dure réalité. Bon. On va se la faire moins crispée. On sait que si je m'approche là... Voilà. Là, je me mets à courir. Allez, cours, 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 mec. Je vais chercher mes bandages. Voilà. Parce que je risque d'en avoir besoin. Je sais même pas comment je me soigne. Je sais tellement pas. Regardez. Hop, des piles. Ça, c'est toujours pratique. Je sais rien si c'est vraiment intelligent que j'ouvre la porte. Et là, moi, je me baisse et je cours. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Déplacer des choses. Ça s'est cassé là-haut. Interagir avec. Ok. Je vois pas trop. Comment je peux. Oui, chacun son trip. Hein. Ouais, voilà. Alors, je sais pas pourquoi, mais je vais pas traverser. Genre, je vais pas traverser le sol. Et ben voilà. Ça c'est fait. Dieu veut que je meure. Ok. Bon.
Bon, 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 voilà, ça c'est fait. Elle est sympa la dame. Donc là, je peux me cacher dans le tonneau, ça c'est toujours bon à prendre. Je sais pas pourquoi, mais alors je ne veux pas sortir. Trouver. J'ai compris qu'il fallait que je trouve Lynn. Y a que ça qui compte. Moi, je veux juste pas mourir. Oh, putain, j'ai pas envie d'y aller. Il est horrible ce jeu. Alors, vous pouvez entendre sur les bruits avec le microphone de votre caméscope. Ah, yes. Génial. Oh, cache-toi. Et sinon, ça se passe comment dans le village ? Cache-toi dans le sang d'Ézéchiel. Pour toi, ils seront rouges vermeils. Cache-toi dans le sang d'Ézéchiel. Nous reviendrons. Ok, il y a un mec là, il y a un mec là. Donc là, autant dire que... Je me tournerai vers toi. Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. Ok. Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Je ne vais pas par là. Se cacher. Ah oui, je peux me cacher dans le tonneau, c'est vrai. Là, il y en a un là. Ok, d'ac. Bon, il n'y a plus qu'à sortir. Et continuer à ramper. Le problème, c'est que je suis incapable de savoir où je vais. Ok, il y a l'autre qui fait sa ronde. Ok, ok, ok. Ah merde, il est là. Ok, tac. Et ils sont combien ? Un ou deux ? Ouais, un. Se cacher, moi je m'en fous. Hop, 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 hop. Ah, ils sont deux, hein ? C'est bien ça. Ah punaise de punaise de punaise de punaise.
Ouais. Waouh! Tout punaise! Ah, merde. Je sais pas où il faut, Jay. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, allez. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est, rien de plus. On va aller arrêter de transpirer un coup là. Nous nous opposons à l'antéchrist. Sinon, on rentre comment? Nous ne pouvons pas seulement suivre l'exemple de Jésus, nous devons être comme Dieu. Et maintenant, Dieu nous a envoyés. Lynn. Oh merde. Sympa. Enlevez son maillot. Dieu, je le demande, qui est cet étranger? Cet étranger venu par vous. Écoutez-moi, je vous en supplie, on s'est écrasé. Silence, mon enfant. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être gore. Sympa. Faut que je passe du coup. Faites de vérité des mensonges. Entre en moi, Seigneur, je t'en prie. Je ne dois pas connaître le chemin. Moi seul, je dois le connaître. Oh putain! Salut, il y a quelqu'un? Ok. Ouais, ça c'est bon. Je joue pas dans la furtivité là quand même. Vous pouvez vous cacher dans les armoires. C'est sympa, merci. Mon Dieu, Blake. Tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Oh merde, il faut partir. Hey. Allez, on court. Lynn, où
N'importe où. Bon, j'ai déjà un succès. C'est déjà pas mal. 15G. Pas terrible. Oh, oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre. J'ai mal. Il y a quelque chose qui va pas. Merde. Je dois m'arrêter. J'ai juste besoin. Oh, mon Dieu. Bordel de merde, Lynn. Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. On va sortir d'ici, ok? Oh non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça... Je peux pas en parler. Lynn. Je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent! Ils arrivent! Notre foi a été confirmée! La force venue du monde extérieur en ce jour a conflué, a apporté les fonds. Bon, là c'est très. On va avancer gentiment. Quoi? Je l'ai examiné moi-même. Je sais rien! Il est fou! Ils sont tous tarés! Lynn? Je t'en prie, Blake. Je veux juste quitter cet endroit. Est-ce que t'es enceinte? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Pas maintenant. Quittons cet endroit. Je t'en supplie. Ok. D'accord. Le diable de son ventre et écrasez-le sous vos talons. La révélation. Sympa le programme. Et comme les anges, nous ne devons montrer aucune pitié. Oh mon Dieu. Allez-vous-en! Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux. Dieu veut l'enfant. Non, Dieu non. Dieu veut l'enfant. On ne devrait pas mourir tout de suite. Dieu veut l'enfant. Non. Non. Par contre, elle, elle est mal barrée. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces bidules? Dieu sauve ton âme. J'ai regardé mon père baiser ton Dieu à mort. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Merde! Merde! Lynn! Blake! Lynn! Tout va bien, petite merde. Oh, Dieu de merde! Ramenez-la à la maison. Je veux partager mon amour avec le père. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Oui, mon amour. Ah. Petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Aïe. Bon. Ok. Toujours prendre sa caméra avec soi. Hein. Lynn! Ce serait bien d'avoir un petit succès quand même. Mon Dieu! Oh, Seigneur! Qu'est-ce que c'était que ça? Ils les ont appelés hérétiques. Ils ont appelé Lynn, mère. Et il n'y a pas que la secte. Il y a deux camps. Les chrétiens et autre chose. Ok, donc ça y sont. Bon, il n'y a plus qu'à aller par là. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix.
Là, je suis quand même bluffé. Parce que c'est quand même beau. Y a pas photo. Hein. C'est quand même sympa. Cachez-vous en vous accroupissant dans l'eau. Ok. Est-ce que j'ai une jauge de vie où je peux retenir ma respiration indéfiniment? Eh mince, j'aurais jamais dû faire ça. Est-ce qu'il court dans l'eau? Allez. Non, pas la caméra. Ils sont. Allez. Self control. On maîtrise. On est en mode normal, on l'oublie pas. Il va falloir que j'arrive à passer par contre. Moi je suis dans la merde. Quand même une caméra étanche. Ok. Il est là. Donc là, je peux pas passer, ça sert à rien. Qui me voit. Ok. Coucou. Oh putain. Ah, c'était sûr que ça allait pas marcher ça. Vite, cours. Cours. Regarde pas derrière toi. Ah. Je suis dans la merde. Ouais, je me soigne. Ah, par contre, je m'arrête quand je me soigne. Ah oh là 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 là, galère. Vite, cours, Forest. Putain, il va falloir trouver un autre endroit pour se cacher. Ils sont où? Et ils sont toujours derrière moi. Ah! Y a pas quelque chose là. On respire. Oh, ça va, ils sont faciles à semer finalement. Ok. Plus peur que de mal. On va se dépêcher d'ouvrir hein, quand même. Ah ben. Un petit flashback. Sympa le message. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé, Jessica. Ok. Ça, c'est bloqué. On passe par où alors? Oui, il y a forcément un truc à faire ici.
Voilà, la photo de classe. Jessica et Lynn. Quand nous étions... La classe de musique. Oh merde. Je suis de retour en quatrième. Ça pourrait pas aller plus mal. Ouais, ok, salut. T'es qui toi là-bas? Bon, et on va y aller hein, direct. Ouais, bonsaï! Ok. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Je veux juste prendre des piles. Ah, je peux pas. Je suppose qu'il faut que je passe par là, hein. J'ai pas le choix. Ouais, bah là finalement ça sert pas à grand chose. Oui, c'est moi. L'œil de meurtre, ils vous ont tué, pas vrai? Non. Ah. Pas encore. Eh ben, ils le feront si vous trouvez ici. Venez. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Je veux dire, êtes-vous l'un d'eux? Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques. J'ai rien dit quand ma femme a eu la gale. On a dû la chasser. J'ai rien dit quand Nott s'est couché sur ma petite Annalie. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Mais quand il a voulu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. C'est spécial hein, comme histoire. Par contre, j'ai pas dû prendre mes lunettes. Parce que je vois pas grand chose. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Cento. Quoi? Votre fille, elle était enceinte de 8 mois? Des cheveux blonds coupés courts? Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie, monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. Venez, vous feriez mieux d'entrer. Oh là. Vous vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Non, ça va aller. J'ai... Descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. Vous pouvez vous cacher jusqu'à ce que vous alliez mieux. Je sais pas pourquoi, mais je ferai pas confiance quand même à un inconnu comme ça. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous.
Je le sens pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Il a confiance le mec, hein. Bon. Pour l'instant, tout va bien. L'étranger. Le prophète n'a pas besoin de toi pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le guider. Ah, c'est ma copine de tout à l'heure. Tu as péché lorsque tu as refusé ta fille au prophète. Tu as péché depuis pour le nier. Spéciale, hein. Dieu t'aime. Dieu. Elle est spéciale. Voilà, ça c'est fait. Lui, il est mort. Fiston du diable. J'espère que t'as retrouvé ta fille. Et on sort par où ? Non, pas par là. Bon, on va essayer de trouver une autre sortie alors, du coup. Ah bah non, c'était là. Attends. Ah, arraché. Ok. Et... Salut. Oh, pauvre mec. Il ne lui a rien dit. Même si... Merci. Allez, ça c'est fait, c'est dans la boîte. Next. Alors, on va où maintenant? Je vais voir la bouffe. Ça donne envie. Ah, des piles. Nickel ça. Alors. Bon, alors normalement, je dois retrouver ma copine. Là, je suppose que je ne peux pas passer. Voilà, donc je n'ai qu'un seul chemin de possible. Il va falloir que je me prépare à courir à tout moment. Donc ici, on repère bien les lieux. Je ne peux passer nulle part. Sauf... Bon, bah,
je suis obligé d'aller dans l'eau, hein. C'est marrant comment il nage, comme un petit chien. Ça, je sais pas, ok, tac. Bon, de toute façon, il faut avancer. Ça sert à rien d'avoir peur. On est encore pas tout à fait les touches, hein. Je maîtrise pas du tout. Est-ce que je peux me cacher par là? Se cacher, ok, d'accord. Un bandage. Une petite lettre à regarder. Voilà. Nickel. Allez, on continue. Oh putain. Y'a quelqu'un? Y'a rien là-dessus? Est-ce que je suis obligé de passer par cette entrée là? Y'a pas autre chose? Non. Sympa. Ah oui, c'est vrai. La chapelle. Quelqu'un doit savoir où ils ont emmené Lynn. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ils sont à ma recherche. J'ai l'estomac noué. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles sont effrayées.
je devrais pouvoir passer. Et merde. Bon, ça va. Ils ont l'air bien... bien facile à tromper. Mais ils sont combien? Par les blessures, mort. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu te donnera la vie. Tu me reconnaîtras. Dieu l'œuvre. Je ne crains aucun homme. Ok. Non, mais c'est bon. Je bouge pas. Ne vous inquiétez pas, les mecs. Dépêche-toi, Zeb. Bon, c'est pas le moment. Hein. Allez, monte. Allez, recharge. C'est pour se soigner. Allez, vas-y, soigne-toi. On va par où, là? Ah, merde! T'es mort, ouais, t'es mort, pas de soucis. Tu me fais peur, toi. Ah, c'est suicidé. Oh là. Sinon, on passe par où? Ok, donc là, c'est un cul-de-sac. Il y a peut-être un accès dans la grange. Accès dans la grange, ok. Donc, il faut que je monte dans la grange. Est-ce que je peux? Non. Je ne peux pas grimper là-dessus. Dommage. Je te laisse tranquille. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas du tout, cette histoire. C'est bien ça. Je peux même pas lancer de petits cailloux. Et on se grouille. Voilà, on est bien là-haut. Ok, une chaîne. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec la chaîne? Tirer. Ouais. Oh. Merde.
Ok, bon, ça c'est bon. Allez, on avance. Bon bah y a plus qu'à. Eh ben non. Sympa. Allez go, on avance. Cacher dans sa crainte, ça quand il y a des, quand il y a des trucs pour se cacher, j'aime pas ça du tout. Sympa. C'était quoi ce bordel? Alors il y a de la lumière là-bas. Avoir un autre accès. Ah. Il n'y a plus qu'à sauter, hein. Je suppose que c'est ça. Ah non. Hop, il y a des traces de pas. Est-ce que je continue par là ou est-ce que je peux utiliser la corniche? Voilà. Nickel, comme dans le didacticiel. Pas de soucis. Des oiseaux qui meurent. On saute, on prend de l'élan. Hop là, on se loupe. C'est pas mal tout ça. Que j'ai suffisamment de batterie. Une église? Oh non. Une sorte de temple hérétique. Mm-hmm. Sympa le comité d'accueil. Ah, des piles. Là, je suppose que je, si je me loupe, je tombe, je meurs plutôt. Bon, bah, il n'y a pas trop le choix. Je viens de par là. Allez, banzai. Voilà. Sympa chez eux. On continue. Et
Il n'y a plus de lumière. Ah, voilà. C'est bon. Un cul-de-sac. Bon. Ah ben non. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Bon, bah, finalement, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas plus de films que ça. C'est que le début, je pense. Parce que là, pour l'instant, ça reste assez, assez simple. Et puis, bah, on fera une autre vidéo pour voir ensemble un peu ce que ça donne. Ouais, je pense que c'est ça va être ça. On va faire ça. Bon, bah je vous dis à plus tard, et puis merci de m'avoir suivi pendant cette petite heure, je pense, à peu près, sur Outlast 2. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous !